Notre motivation pour engager des personnes porteuses de handicap, ça a été de se positionner comme une entreprise citoyenne, justement, c'est-à-dire une entreprise qui se veut exemplaire dans la recherche de l'intérêt commun, notamment l'intérêt général de la région dans laquelle on exerce. Je suppose que oui, au départ, la plupart des collègues se sont dit à une personne handicapée ou quoi, mais à force de me côtoyer, de me parler et tout ça, ils ne voient plus cette différence. Pour moi, travailler, c'est important. Ça me permet de mieux m'intégrer dans la société, de me sentir, on va dire en quelque sorte normal, je veux dire d'oublier mon handicap aussi, même s'il est toujours présent, mais de me sentir mieux, on va dire. Ce que je dirais aux employeurs qui hésitent, c'est d'abord de tester, peut-être avec une ou deux personnes. Et en ayant fait l'expérience, ils seront très vite convaincus que c'est quelque chose qui peut être fait à plus grande échelle, parce que quand c'est fait de nouveau en fonction des compétences de la personne et que les bonnes mesures d'accompagnement sont mises en place, ça ne coûte rien à l'institution.